Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre cours d'introduction à la chimie quantique. Nous en sommes presque à la fin. Maintenant, nous travaillons sur plusieurs atomes. Nous avons déjà fait deux épisodes là-dessus. Nous avons commencé par l'eau, par exemple, enfin même H3. Et donc, à trois atomes, nous pouvons imaginer plusieurs géométries possibles. En canonique, nous plaçons les noyaux et nous pouvons donc considérer par exemple l'eau linéaire ou l'eau coudée. Et en fonction en fait de l'énergie des orbitales les plus hautes en énergie, c'est-à-dire qu'en fonction des recouvrements, nous pouvons déjà anticiper si l'eau serait plus stable de façon linéaire ou coudée sans utiliser VSEPR. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'un a priori qui nous dit en fonction de mon dessin de ma formule de Lewis, je vais en déduire une orientation, une géométrie autour de mon atome, d'où ma molécule serait coudée. Donc là, ici, en fait, on enlève ce biais-là et on obtient que l'eau est coudée, que BeH2 est linéaire, parce que c'est la forme la plus stable. Par contre, nous avons vu que dans ce cas-là, pour pouvoir faire le diagramme, il nous faut toujours les deux fragments. On a le fragment du centre, l'atome central, et les atomes autour. Et dans NH3, d'accord, ou BH3, il s'agissait de connaître les orbitales des fragments qui sont adaptés à la symétrie. Dès lors, cela demande déjà soit de connaître la théorie des groupes, soit c'est une information que l'on doit connaître et déduire facilement les orbitales des fragments à plusieurs éléments, pas forcément instinctif, on va dire. Alors que VSEPR, finalement, nous permet de retrouver toujours une image avec des liaisons sigma localisées, et honnêtement, c'était plus facile à faire. Donc le seul problème des diagrammes VSEPR et de l'hybridation, c'est est-ce que le schéma, la formule développée est correcte? Est-ce que ce schéma-là est représentatif de la chimie du composé? Sinon, on va droit dans le mur. Donc là, ça, nous allons continuer aujourd'hui. Et cette fois-ci en rajoutant les interactions pi. Comment ça se passe donc, par exemple, pour CO2? Le dioxyde de carbone avec un carbone au centre, deux oxygènes à l'extérieur. Les orbitales des fragments O2, on les a déjà fait. Le diagramme de O2, vous avez un épisode consacré dessus. Et en fait, il s'agit donc d'écarter les oxygènes, mais il s'agit exactement des mêmes orbitales. Donc dans ce cas-là, en fait, on écarte les deux oxygènes et on va placer le carbone au centre. On a toujours ce plan de symétrie et les orientations des orbitales. Donc la même méthode, d'accord, sauf que cette fois-ci, attention, il y aura plus de symétries différentes, plus de couleurs différentes. Et nous allons pouvoir comparer avec VSEPR, et on va d'ailleurs commencer par l'hybridation. Sur ce, on passe en mode diaporama et on est parti pour faire CO2. L'épisode prochain sera consacré en fait au système en fait au complexe métallique, et donc on abordera le cas où un métal sera entouré de 6 hydrogènes par exemple. On pourra travailler aussi donc sur SF6 ou SH6, travailler sur qu'est-ce que c'est que l'hyperconjugaison dans VSEPR, est-ce qu'on en a besoin, et qu'est-ce que c'est que le champ de Liga. Voilà, donc il nous reste deux épisodes là-dessus. On fera après ensuite une vidéo de conclusion qui résume l'ensemble du cours et deux, trois vidéos de correction d'examen pour tester les connaissances que vous auriez acquises lors de cette série. Allez, on est parti. Donc, nous avons trois atomes, mais cette fois-ci, il y aura des recouvrements pi. D'accord? Donc, il s'agit de CO2. Et si je vous ai mis préparez vos couleurs, c'est parce qu'il va y avoir pas mal de symétries différentes et il vous faut absolument essayer de travailler proprement. Si vous écrivez tout en noir, le diagramme sera illisible pour votre correcteur, mais aussi pour vous à la relecture. On va commencer en hybridation.
Alors, pour l'hybridation, vous choisissez un schéma, une formule développée. D'accord? Donc ici, le but étant, dans ce que l'on appelle les schémas de Lewis, d'avoir 8 électrons de valence, c'est-à-dire de respecter la règle de l'octet pour des éléments comme ça, des éléments principaux de cette famille-là, donc bore, carbone, azote, oxygène, fluor, etc. Normalement, se retrouve avec 8 électrons de valence. Nous avons les doublés qui comptent uniquement pour l'atome du doublé, qui possède le doublé, et les liaisons, eux, comptent pour chacun des deux. C'est-à-dire qu'une liaison compte pour 2 électrons sur le carbone et 2 électrons sur l'oxygène. C'était le principe de l'idée même de Lewis de la paire de liaisons partagées. Et d'ailleurs, c'est là que se situe le problème en fait de ce genre de schéma. C'est que à vouloir restreindre une liaison chimique à 2 électrons, on génère une erreur quand il y a en fait des interactions à 1 électron ou 3 électrons. Ce que ne peut pas faire correctement un schéma de Lewis. Là ici, on a 8 électrons pour le carbone, 4 liaisons, d'accord? 8 électrons pour chacun des oxygènes, 2 liaisons et 2 doublés. Pour le carbone, nous avons une hybridation, en fait une configuration de type AX2 et E0. Il n'a plus de doublé. Ce qui lui donne une hybridation de type SP. Alors que les 2 oxygènes sont de la configuration AX1E2, soit une hybridation de type SP2. Afin de vous donner un petit peu un ordre d'idée, vous pouvez placer et commencer à faire vos orbitales atomiques et vos orbitales hybridées avec les énergies calculées. Comme ça, on pourrait partir du même niveau de départ que lorsque nous allons travailler en canonique. Et donc l'oxygène est plus électronégatif. Hein. Vous voyez, la 2s de l'oxygène est à moins 28,7 électronvolts avec cette méthode de calcul pour moins 16,6 électronvolts pour le carbone. Ce qui veut dire que dans un diagramme placé en énergie, les orbitales du carbone se retrouvent donc à moins 7,7, mais l'orbitale s se mélange avec l'orbital P qui pointe vers les oxygènes pour fabriquer 2 hybrides SP, dont on fait la moyenne en énergie, c'est-à-dire qu'on prend une orbitale à moins 7,7, une orbitale à moins 16,6, et on se retrouve avec 2 orbitales SP à moitié chemin, à moins 12,2 électronvolts. Il y a une orbitale SP qui pointe vers la gauche, une orbitale SP qui pointe vers la droite. Bien. Pour les oxygènes, on a vu que c'est du SP2. Alors je prends par exemple l'atome de droite et je l'oriente comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai une direction des SP2 qui pointe vers la gauche. Cette direction-là, ça veut dire qu'elle va se relier avec l'orbitale de rouge, là, qui pointe vers la droite. D'accord? À chaque fois que vous orientez et que vous faites du VSEPR, le but du jeu, c'est de préorienter vos hybrides pour qu'ils pointent l'une vers l'autre et que cela facilite les recouvrements sigma. Hein? Vous avez des fois tendance à pas forcément faire gaffe, c'est-à-dire si vous mettez celui-ci comme atome de gauche, cette SP ne pointe pas vers le carbone, mais à l'extérieur, vous allez vous retrouver avec un doublet non liant qui est mal orienté et vous n'aurez surtout pas de sigma, puisque ces deux-là ne feront pas les liaisons sigma. D'accord? Alors parfois, ça ne vous embête pas trop, vous allez me prendre cette SP et la retourner dans le diagramme, mais vous n'allez pas me retourner ces orbitales hybrides et vous allez potentiellement créer des erreurs et de la confusion. Donc essayez de bien placer par un code couleur ou par un schéma, de bien montrer que par exemple là, il s'agit de l'oxygène de droite, que son orbitale SP qui va faire la sigma pointe donc vers le carbone, et de préparer donc dans le carbone une orbitale SP qui pointe vers cet oxygène. Je les ai tous les deux mis en rouge. Le rouge avec le rouge feront l'orbitale sigma CO. Pour l'orbitale P, eh ben, l'orbitale P qui est perpendiculaire aux 3 sp, donc ici c'est cet orbital P, a donc la même couleur que cet orbital P, et elle fera la liaison pi
qui correspond entre cette double liaison. Quand vous travaillez avec des orbitales hybrides, vous avez en fait quelque part la correspondance entre une orbitale moléculaire et la liaison. Ou le doublé. Par contre, pour l'autre oxygène, nous ne pouvons pas avoir la même orientation. C'est-à-dire que si on considère l'autre oxygène, l'image miroir, avec les SP dans le plan, ça voudra dire que son orbitale P pure, elle sera aussi orange, et qu'on aura les trois oranges ensemble, et que l'orbitale bleue se retrouve toute seule. Et donc il y aurait potentiellement une lacune électronique ou une case quantique vide, ou un doublé sur le carbone. Et ça, ça n'existe pas dans le diagramme. Donc en fait, votre diagramme vous impose d'avoir les doublés des deux oxygènes qui ne sont pas sur le même plan, parce que on doit avoir le carbone de gauche qui doit réagir avec l'orbital P, ici, comme ça. Et si cette orbital P, là, elle est pure et non mélangée, non hybridée pour l'oxygène de gauche, ça veut dire que, dans ce cas-là, c'est cette orbital P, là, qui est mélangée dans les SP, pour fabriquer, donc, cette fois-ci, des doublés qui sont devant-derrière, et pas haut et bas. D'accord? Donc pour certains qui n'auraient pas fait le rapprochement ou qui auraient oublié entre l'hybridation, quand on a une SP comme ça par exemple, et qu'on passe au SP2, il y a une des deux orbitales P là, bleu ou orange, qui va se mélanger avec les SP pour fabriquer donc cette fois-ci trois hybrides. Il y en aura toujours une dans le plan qui soit à gauche ou à droite, mais surtout là si vous mélangez avec les oranges, vous aurez donc des SP devant, derrière, en haut, en bas, puisque, pardon, si vous mélangez avec la orange, et donc vous gardez la bleue, vous avez des SP devant, derrière, d'accord, puisque cette orbitale P est devant, derrière. Si au contraire, vous conservez l'orbitale qui est devant, derrière, et donc vous mélangez la bleue, vous aurez des SP qui sont en haut, en bas, ce qui est la symétrie de cette orbitale P. Donc, à partir de là, vous avez ici deux SP2. Vous pouvez donc à partir de là, maintenant nous avons tous nos orbitales de fragments. Vous pouvez voir ici que on a une orbitale SP qui est noire qui pointe vers l'orbital SP du carbone qui est noir. Nous avons une orbitale P pure bleue qui va se mélanger avec la bleue, une orbitale P pure orange qui va se mélanger avec la orange, et la rouge avec la rouge. Et nous avons ici deux doublés verts qui sont devant derrière, et deux doublés orange qui sont violets qui sont en haut en bas. Et celles-ci n'ont pas d'équivalent sur le carbone et ne vont pas se mélanger, d'où leur caractère non liant. Très bien. Donc, vous, si vous en êtes arrivé là, normalement, le diagramme, il est presque fait. Vous préparez les recouvrements. N'oubliez pas que, donc, quand vous allez à chaque fois mélanger les deux noirs, ça va faire une combinaison liante, stable, et anti-liante, instable. Alors que quand il n'y a pas d'interaction, vous partez avec les mêmes niveaux d'énergie. Alors, je décale l'énergie sur la gauche, là, pour conserver ici un espace libre. Je commence moi par les doublés non liants, d'accord, qui n'ont pas d'interaction. Je les place au centre. Pour bien faire ressortir leur géométrie, j'ai mis les triangles cette fois-ci sur les doublés, d'accord. Donc il faut bien comprendre ici qu'il n'y a pas un niveau avec les deux doublés en même temps, hein. C'est juste que les deux verts, je les mets ensemble sur la même image. Par contre, après, je ne mélange pas les sigma et les pi ensemble. Je fais une image par orbitale moléculaire, d'accord? C'est quand même beaucoup plus clair. Bien, après, nous avons le système pi. Nous avons une interaction entre des bleus et des oranges. À chaque fois, ils partent du même niveau d'énergie, et en fait, ils auront donc les mêmes types de recouvrement. Donc, on va avoir en fait des orbitales dégénérées. On voit que sur le carbone, elles sont dégénérées, les p.
Sur les oxygènes, elles sont dégénérées, puisqu'il s'agit des mêmes éléments chimiques. Et donc, on aura quelque chose ici qui sera aussi dégénéré. Et dans la partie liante, on aura plus. Ah ben, il y a une erreur. Je vais corriger ça de suite. Pardon pour cette interruption. Effectivement, j'avais commis une erreur sur la partie, le dessin de l'orbital pi. Déjà, d'une part, j'avais fait une antiliante. D'accord? En fait, j'avais recopié la pi étoile et j'avais pas corrigé correctement la polarisation. Donc, pour la polarisation d'une orbitale, d'accord, ce que l'on regarde, c'est d'où viennent les orbitales qui construisent ma combinaison. Donc là, par exemple, sur les bleus. Les bleus, c'est une combinaison liante de celle-ci avec celle-ci. Celle-ci est plus basse en énergie. On la retrouve prépondérante dans la liante. D'accord? Elle lui est plus proche en énergie. Dès lors, donc, il y aura plus d'oxygène. L'oxygène ici est à gauche. Alors que dans l'antiliante, il y aura plus de carbone. Et pour les oranges, pareil. On aura dans l'antiliante plus de carbone et dans la liante plus d'oxygène. Les liaisons pi sont aussi polarisées. Même chose finalement après pour les sigma. Vous avez ici, alors le petit point noir ici, là au passage, c'est pour vous signifier qu'il y a un atome d'oxygène, mais qu'il n'intervient pas dans la combinaison. D'accord? Donc là, le bleu, c'est uniquement le carbone du centre, l'oxygène de gauche. Sur les oranges, il n'y a que l'oxygène de droite, le carbone du centre. Et donc là, ici, il y a un point sur la gauche. Pareil pour le sigma. Dans les rouges, nous avons une ESP du carbone qui pointe vers la droite. Elle se mélange avec la ESP de l'oxygène qui pointe vers le carbone. Et il n'y a rien dans l'autre oxygène. Nous avons un point noir. Donc ici, nous avons le rouge, c'est la liaison sigma carbone-oxygène de droite. Le noir, c'est carbone-oxygène de gauche. Et elle est polarisée parce que les orbitales SP de l'oxygène sont plus stables en énergie que les SP du carbone. Et donc, par contre, dans l'antiliante, c'est un poids supérieur sur le carbone. Mais elles sont vides, celles-ci. Alors d'ailleurs, en parlant d'électrons, maintenant il nous reste à compter le nombre d'électrons. Nous avons 6 et 6, 12 électrons de l'oxygène, 4 électrons du carbone, ça nous fait 16 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nous avons tous ces niveaux-là d'occupés. Donc les niveaux HOMO sont des doublets non liants oxygène, qui sont perpendiculaires deux en deux, on va dire. Ou en tout cas, il y a à gauche, ils ont 120 degrés, d'accord? Une géométrie plutôt devant-derrière. Et à droite, ils sont plutôt en haut à droite. Alors bien sûr, la molécule, elle pourrait tourner, mais quoi qu'il arrive, donc on a des doublets qui sont selon cette géométrie-là. Et la LUMO, le premier niveau vide, est une orbitale qui serait pi-étoile et fortement carbone. Donc ça nous fait 8 électrons liants, divisé par 2, ça fait 4 liaisons, et en fait donc l'équivalent de 2 doubles liaisons de chaque côté. Et c'est ce que l'on compte ici. On a une sigma, une pi, une sigma, une pi. On a bien 4 liaisons. Et 2 doublés par oxygène, ce que l'on voit au niveau du dessin. Sauf que là, au lieu de les émettre en haut, en bas, en fait, il faudrait les placer à 120 degrés. Et celui-ci qui serait par exemple devant, derrière, et celui-ci en haut, en bas. Bien, nous avons fini le diagramme avec les orbitales moléculaires hybridées obtenues grâce à VSEPR. Qu'est-ce qui se passe en canonique? Donc en canonique, nous avons les orbitales du carbone pur. Et nous allons avoir à travailler sur les orbitales du fragment O2 adapté à la symétrie. Et en fait, si nous allons prendre le diagramme des orbitales de O2, nous avons la bonne forme. Par contre, nous allons écarter les oxygènes. Donc, nous n'allons pas utiliser les énergies des orbitales de O2, puisque la distance entre les deux oxygènes ici
est bien supérieure à une distance qui est O2. Et quand on sépare les atomes, les recouvrements diminuent, l'interaction diminue. D'accord? Donc là, ici, en fait, je vais vous donner leur énergie. Par contre, leur forme correspond effectivement à au diagramme de O2. On n'oublie pas que l'on doit respecter le plan de symétrie, c'est-à-dire que toutes nos combinaisons doivent être soit symétriques, soit antisymétriques. Si elles ne sont ni symétriques ni antisymétriques, elle n'est pas bonne, elle ne correspond pas à la symétrie de notre diagramme et donc elles sont inutilisables en canonique. Il y a un problème quelque part. Alors, symétrique, c'est, je prends donc ici, le carbone est au centre, hein. Je coupe mon orbital en deux avec un plan miroir. Ma demi-sphère gauche devient mon autre demi-sphère droite et il n'y a pas de changement de signe. Quand il n'y a pas de changement de signe, c'est symétrique. Par contre ici, je coupe mon lobe à gauche qui est blanc, devient mon lobe à droite. Donc la forme se conserve, on retrouve bien le même élément, un lobe pour un lobe, une sphère pour une sphère, une orbitale P pour une orbitale P, mais s'il y a un changement de signe, on est antisymétrique. S'il n'y a pas de changement de signe, on est symétrique. Et donc si on retrouve, par exemple, si on imagine une orbitale P qui serait à gauche et qui n'a pas d'image à droite, il y a un problème. Cette orbitale ne correspond pas à la symétrie du système. Voilà pourquoi, quand on va traiter le diagramme OO, on ne va pas mettre un diagramme pour l'oxygène à gauche et l'oxygène à droite. Ce ne serait pas symétrique. Nous allons utiliser les combinaisons dues à O2 où il y a participation des deux oxygènes en même temps. On avait une orbitale S sigma. D'accord? Sigma étoile pour les S. Et là, en fait, on voit bien que si le plan miroir est donc bien au milieu, là où il y a le carbone, celle-ci, la noire, est symétrique, alors que celle-ci, là, antiliante, est antisymétrique, d'où une couleur différente. Alors, vous avez après l'orbital sigma avec les P, d'accord? Et les pi et pi étoiles. On peut regarder les propriétés de symétrie par rapport au plan. Ah, et leurs énergies d'abord. Donc, pour les orbitales S, comme on sépare les niveaux d'énergie, en fait, on va se retrouver avec, grosso modo, hein, j'ai arrondi pour simplifier, moins 28 électronvolts, c'est-à-dire en gros l'énergie d'une orbitale 2S de l'oxygène sans interaction. Et pour les orbitales P, c'est à peu près pareil, on est à peu près au niveau d'une orbitale P sans interaction. C'est-à-dire quand même plus bas qu'une orbitale P de l'oxygène. Alors, la noire est symétrique. Ici, celle-ci est antisymétrique. La sphère devient sphère, mais de l'autre couleur. Ici, n'oubliez pas, il s'agit d'un plan miroir. C'est-à-dire que ce lobe-là devient cette image-là. Et celui-ci, celui-ci. Donc celui-ci est symétrique, alors que celle-ci, là, quand on voit, ce qui est le plus près du miroir est gris. Et donc l'image miroir, le lobe le plus près du miroir en image, lui est blanc. Donc là, il y a bien changement de signe. Hein? Ce n'est pas un décalage le long de l'axe, c'est une image miroir. Ici, ça devient ça, ce lobe-là devient ce lobe-là, il y a changement de signe, c'est antisymétrique. Pareil quand on imagine le lobe devant ou derrière. Alors que là, ici, nous avons en fait, pour ces deux-là, des combinaisons symétriques. Donc ces trois-là sont symétriques, ces trois-là sont antisymétriques, ces trois-là sont symétriques, ces trois, celle-ci est symétrique, celle-ci est antisymétrique. Vous pouvez noter au passage que, en fait, les liantes sont symétriques, les antiliantes sont antisymétriques, dans ce genre de symétrie-là. Mais ça dépend hein, d'où se place l'image miroir. Là, l'image miroir, en fait, il est pile perpendiculaire à l'axe de la liaison et de l'interaction. Et effectivement, le côté liant-antiliant correspond à symétrique-antisymétrique. Nous allons aussi prendre en compte l'orientation, parce que toutes les orbitales ne pointent pas dans la même direction. Alors, par défaut, les orbitales S, on va les faire pointer vers les autres atomes. Au passage, une orbitale S pointe dans toutes les directions. Mais là, dans CO2 linéaire, on va considérer donc qu'elle pointe
dans la direction en fait gauche-droite. Et donc ici, nous avons cette orientation-là pour les S et pour les P alignés à l'axe internucléaire. Et pour les orbitales P, pi, nous allons représenter l'orientation de l'orbital P qui correspond. D'où on voit ici que ces trois-là sont symétriques, mais qui pointent à trois orientations différentes. Tout comme celle-ci est symétrique, celle-ci est symétrique, celle-ci est symétrique, mais pointent à trois orientations différentes. Dès lors, celles qui sont symétriques et pointent vers la même orientation, donc par exemple cette orbitale pi, a la même orientation et même propriété symétrique que la bleue. Celle-ci a la même orientation et propriété symétrique que la orange. Celle-ci a la même orientation et propriété symétrique que la noire. Même si là c'est une 2P, d'accord? Des 2P, et là une S. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que c'est symétrique et dans quelle orientation. Donc par exemple, ces deux-là ne peuvent pas se mélanger avec la noire, la rouge là. On voit bien qu'ici, cette orbitale-là est grise et grise à l'intérieur, alors que celle-ci est blanche et grise. Donc elle pourrait être liante d'un côté, mais elle serait anti-liante de l'autre côté. Elle n'a pas la bonne propriété de symétrie. Elle a la propriété de symétrie, celle-ci, et l'orientation pour interagir avec celle-ci et celle-ci. Au bilan, nous avons ici une orbitale qui est orientée au bas, mais antisymétrique. Couleur verte, orientée devant-derrière, mais antisymétrique couleur violet, et qui n'existe pas, il n'y a aucune orbitale du carbone qui peut se mélanger avec celle-ci. Donc là, ici, on a deux niveaux qui ne peuvent pas se mélanger. Puis après, nous aurons un bleu de chaque côté, un orange de chaque côté. Donc nous allons pouvoir faire une combinaison avec ici, de la même manière, on est dégénéré là, on aura donc probablement un système pi dégénéré. Ici, liant, anti-liant. Et au final, après, il nous reste trois orbitales noires, trois orbitales rouges. Ça voudra dire que si là, il y a une orbitale de type S et P qui ont les mêmes propriétés de symétrie et se mélangent avec l'autre, nous aurons donc une hybridation SP due à la possibilité de cette orbitale de se combiner avec des P et avec des S. Ou ici, cette orbitale S de se combiner avec des S et avec des P. Et donc, de former donc une hybridation a posteriori, pendant le travail, due à la différence d'énergie, par exemple. On aurait pu imaginer, là, par exemple, peut-être que pour la rouge, cette orbitale-là était trop basse. Vous pouvez, à la limite, faire ce choix-là. Hein? Il y a 21 électronvolts de différence. On aurait pu le limiter. Alors, après, je vais vous montrer ce que ça donne dans le calcul. Et dans le calcul, il mélange un petit peu l'orbital SP. Donc, moi, je vais partir en fait sur des mélanges SP. Mais, et d'ailleurs, vous allez voir dans le calcul, le taux de mélange est un peu variable. Donc, certains commencent à comprendre ça. Et là, je vais l'illustrer un petit peu. On est sur la fin de cours, ça commence à devenir subtil. Vous allez voir. Alors, on commence. La verte, la violette. Donc cette fois-ci, nous n'avons pas un doublé totalement à gauche, totalement à droite. Nous avons en fait un doublé qui serait partagé, c'est-à-dire des électrons qui seraient et à gauche et à droite, et à gauche et à droite, mais il n'y a rien sur le carbone. Donc ces deux orbitales-là ne participent pas à la liaison carbone-oxygène. Ils sont donc bien non liants. Puis nous avons... Ah ouais, voici le dessin, d'accord? Donc vous voyez bien ici qu'il n'y a rien sur le carbone. Puis, nous allons avoir ici le système sigma. Alors, pour rappel, parce que là, je vois que certains étudiants ont un peu de mal sur l'hybridation qui arrive en cours et qui n'est pas fabriquée au démarrage par l'hybridation. Alors, nous avons ici, par exemple, l'orbital S. On va faire la partie noire. Donc, l'orbital S ici. Au centre, elle va pouvoir se mélanger avec cette orbitale S et cette orbitale P en même temps. Ça veut dire que si on se place par exemple sur le carbone, l'oxygène de gauche,
nous aurons et l'orbital s et l'orbital p qui peuvent se mélanger ensemble via l'interaction avec cet orbital-là. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on mélange une s et une p, vous pouvez voir qu'il y a un côté de la p qui va grossir, c'est-à-dire en fait ce qui est blanc là ici va grossir, et cette partie-là va s'annuler en partie, et on va voir donc quelque chose de dissymétrique. Nous allons avoir quelque chose qui est un gros lobe avec un petit lobe. Mais à la fin, nous devons avoir autant d'orbitales moléculaires que d'orbitales de fragments. Nous avons trois orbitales noires, nous devons avoir trois orbitales noires. On sait que la plus basse de tous sera plus basse que n'importe lequel des orbitales de fragments. Et que la plus antiliante, d'accord, sera la plus haute en énergie. Et au milieu, on aura, en fonction du nombre d'orbitales que l'on doit obtenir, d'accord, là ici on en a 3, et bien il nous en reste une à placer. Si jamais nous faisons une hybridation 2-2, c'est-à-dire deux orbitales à gauche, deux orbitales à droite, nous en aurons une très liante, une très antiliante, et deux plus ou moins non liantes. Alors, celle-ci est très liante, celle-ci est très antiliante, ça veut dire que l'hybridation SP, le gros lobe, pointe vers l'autre atome. Ça va renforcer l'interaction. Alors qu'elle est non liante, le gros lobe de la SP pointe à l'extérieur de la liaison. Donc nous avons ici une SP à gauche et à droite. Hein. Donc ici nous avons les deux SP qui pointent vers l'oxygène, les deux SP qui pointent vers l'extérieur du CO2, les deux SP qui pointent vers l'oxygène, mais en antiliant. Ici, la polarisation, comment ça marche? Cette orbitale-là, d'accord, elle a un gros caractère S, puis un caractère important 2S du carbone, et un petit caractère 2P des oxygènes. Ça veut dire qu'au bilan, il y a assez peu de carbone dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup des 2S, d'accord? C'est le caractère principal. Ici, la plus proche en énergie, ce serait le carbone. D'accord? Donc, en fait, le caractère carbone, là, ici, est en soi le caractère majoritaire. Mais comme il y a aussi de la 2P et la 2S des deux oxygènes, en poids relatif, on serait plutôt à quelque chose qui serait un tiers, un tiers, un tiers. Et finalement, en haut, on a beaucoup des 2P, mais on a pas mal aussi de 2S, et on a très peu de 2S là. Donc on a les 2S, et là ici, on a l'impression qu'il y a beaucoup de carbone, mais il faut imaginer que si par exemple on a autant de ça que de ça, en termes de proportion, ça fait un coefficient de la 2S plus gros, mais si on compte l'air, là il y a plus d'oxygène que de carbone. C'est juste que... par exemple, si là on en prend, on prend un 30%, et ben il y a ou 40%, il y a 60% d'oxygène, mais ça fait un gros coefficient sur le carbone en fait. Je reconnais que la polarisation des liaisons quand on fait des orbitales sp et qu'il y a des mélanges, c'est pas toujours facile. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du calcul? Le calcul, lui, ici, pour l'orbital la plus basse en énergie, on voit que déjà, un, c'est entièrement violet, et c'est pas vraiment des SP. Il met, et le calcul, lui, il peut changer les poids, c'est-à-dire qu'il va pas faire toujours les mêmes formes d'hybridation, il va mettre des poids variables de S et de P, et donc il peut tout à fait jongler avec plus ou moins hybridé. Pour des raisons de simplicité et de lisibilité, je vous encourage, moi, à toujours utiliser que des SP quand vous mélangez. Mais sachez que le calcul, lui, il a plus de liberté que ça. Il fait varier les poids des coefficients sur l'ensemble de la combinaison. Donc là, ici, il y a quand même, on voit plutôt les 2S des oxygènes et probablement une 2S du carbone, tout ça fusionné. Pour l'orbital du milieu, on voit un peu le caractère SP, puisque ici on voit les queues de champignons, mais qui fusionnent avec l'orbital S du milieu pour fabriquer cette forme un peu de bonbon.
Très belle orbitale. Puis pour la dernière, nous avons cette orbitale-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une grosse sphère sur le carbone, mais comme elle est en interaction antiliante avec les sp, le plus annule le moins et la sphère est rabotée sur les côtés. Et il reste uniquement une partie de la sphère au milieu, d'accord, qui est dans le territoire purement du carbone, où en fait la surface ici négative, elle gagne par rapport au positif. Mais les orbitales sp sont aussi rabotées, donc on ne voit plus grand-chose en fait. C'est là l'intérêt de ce cours-là, c'est de pouvoir travailler sur la création des combinaisons et vous entraîner à lire ce genre de schéma. Parce que quand, dans quelques mois, nous allons commencer à travailler sur la réactivité, je vous donnerai directement les images des homo-lumo. Et si jamais je vous donne une image comme ça et que vous n'en avez pas du tout l'habitude, ça va vous sembler un peu étrange. Mais en fait, il s'agit des combinaisons antiliantes, des deux sp et d'une orbitale s au centre. Pour la partie rouge, même travail, je vous encourage à essayer de faire pause et d'imaginer qu'est-ce que ça va donner, c'est-à-dire de raccrocher le wagon en route, et de d'ailleurs terminer après le diagramme sur la partie pi. Donc nous avons trois orbitales rouges, et nous aurons un mélange sp, à peu près, sachant que effectivement en bas il devrait y avoir beaucoup de s et assez peu de mélange. Donc pareil, on aura quelque chose de très liant, quelque chose de très antiliant et quelque chose de non liant sur les orientations des sp, pour faire simple. On aura donc une sp qui pointe l'un vers l'autre et avec l'orbital p en liant, beaucoup d'oxygène et pas beaucoup de carbone. Ici, on aura ici quelque chose qui est dsp qui pointe à l'extérieur avec de nouveau beaucoup d'oxygène et peu de carbone. Et au final, en haut, on a dsp qui pointe vers le carbone, très antiliant, mais cette fois-ci avec un poids important sur le carbone. Qu'est-ce que cela donne une fois calculé? Nous avons cette combinaison-là. Donc là, on voit en fait le caractère très S antiliant, d'accord? On a une participation du carbone, mais au passage, on ne voit pas le caractère SP. C'est-à-dire qu'ici, c'est principalement cette orbitale-là avec très peu de carbone en P. Puis ici, nous avons cette fois-ci un caractère SP assez prononcé. On voit que les lobes à l'extérieur sont plus gros. Et on voit ici des petits lobes avec un petit caractère P qui donne un caractère un peu liant ici. C'est-à-dire que normalement, quand on met les lobes vers l'extérieur, on aurait tendance à dire que c'est une orbitale non liante. Là, ici, quand même, il y a un peu d'interaction au milieu. Elle est intermédiaire entre quelque chose qui serait un peu liant et non liant. Et ça, c'est un des autres défauts des orbitales canoniques. C'est comme ils délocalisent les interactions. On n'a pas des orbitales qui sont 100% liantes, 100% non liantes, 100% antiliantes. Et je sais que c'est un peu perturbant, par contre, en fait, ça se comprend. C'est-à-dire que la couverture électronique, elle se répartit, elle change de phase, et il n'y a rien qui oblige les électrons à se concentrer dans une zone donnée, et avoir une zone qui serait soit totalement liant, soit totalement antiliant. Surtout qu'en fonction de leur interaction, d'ailleurs, des électrons qui sont là, ils ont un impact électrostatique sur le reste et ils ne sont pas réellement non liants. Mais bon, voilà. Ne compliquons pas pour l'instant trop les choses. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Finalement, pour la dernière orbitale, quand on regarde le dessin et je lui demande de dessiner l'orbitale, il ne reste plus rien à part les petites queues des sp sur les extérieurs. Parce que là, les gros lobes, en fait, s'annulent. L'orbitale p du carbone, en fait, est très grosse et elle annule totalement les sp de chaque côté. Et en fait, on n'a plus rien. Voilà. Donc ça, celle-ci est effectivement un peu surprenante. Elle se comprend, mais elle est un peu surprenante.
Alors, en changeant l'isovaleur du contour, d'accord, je pourrais essayer de montrer un peu mieux les coefficients, mais il aurait fallu être systématique sur l'ensemble des orbitales pour qu'on garde un peu la même chose. Je vous rappelle hein, que ces orbitales-là, ce ne sont pas des coquilles. C'est-à-dire que là, on n'a pas la couverture juste à cet endroit-là. Nous avons une évolution radiale de l'orbitale moléculaire, et en fait, le lobe va certainement plus loin. C'est la valeur de la fonction que j'ai choisie, et ce qui donne en fait cette forme de fonction. Bien, il nous reste les orbitales pi à faire, bleu et orange. D'accord? On part ici de deux orbitales dégénérées, deux orbitales dégénérées. Nous aurons des pi dégénérés, des pi étoiles dégénérées. Les pi ont un fort caractère oxygène, d'accord? Donc par exemple, on va dire 60% oxygène, ce qui veut dire qu'il y aura 40% de carbone. Donc on a l'impression que le carbone est plus gros que les autres. Mais si on calcule l'air au carré de cette orbitale-là, il y aura plus d'oxygène que de carbone. Par contre, là, ici, il y aura plus que 40%, on va dire, d'oxygène ou 30%, ce qui veut dire qu'il y aura 60 à 70% de carbone, et là, on aura un très gros coefficient. N'hésitez pas à exagérer et dans vos copies à bien spécifier les tailles et pourquoi vous choisissez ce genre de taille pour bien mettre en avant le fait que vous avez compris tout ce qui est polarisation. La polarisation des orbitales moléculaires, c'est le point clé pour comprendre après la régiosélectivité. Pourquoi telle partie de la molécule est plus réactive que d'autres. Si vous mettez que des tailles identiques, tous les atomes vont participer à la même réactivité quand il s'agit de, par exemple, de considérer l'arrivée d'un électron. Là, si je mets un électron sur cette orbitale bleue, il va essentiellement ou majoritairement sur le carbone. Et donc, ça peut changer des choses. Si vous mettez des tailles un peu au pifomètre, d'accord, n'importe comment, vous allez réinventer la chimie du CO2. Donc, quand on fait les dessins des orbitales dans le calcul, on voit ici que bah, tous les lobes identiques ont fusionné. Donc, on a bien ici une grosse banane d'une couleur, une grosse banane de l'autre couleur, devant, derrière, d'accord? Et vous voyez que si le blanc c'est du violet ou du blanc, peu importe. Ce qui est important, c'est que là c'est la même couleur en haut, devant et derrière, ou en haut, en bas. Donc ce dessin-là, c'est bien la même orbitale que celle-ci. Alors que là, nous voyons bien qu'il y a un changement de couleur à chaque fois, et qu'on a donc un caractère anti-liant entre le carbone et l'oxygène de gauche et l'oxygène de droite. Et on a un très gros coefficient sur le carbone. Bien, au final, pour le diagramme, ça nous donne ça. Ce qui nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes. Donc j'aurais dû vous indiquer de prendre une page en entier pour faire un truc joli, parce que si vous avez tendance à le faire sur un tiers de page, je pense que ce sera assez difficile à être lisible. Nous avons donc ici, je vous ai placé les énergies calculées pour bien vous montrer à peu près dans quelle gamme d'énergie on est. Mais ce n'est pas très grave, ce que l'on sait c'est que là, de toute façon, celle-ci était à moins 28, donc vous êtes en dessous. Là ici, vous êtes en dessous autour de moins 16 à peu près, vous voyez. Là, on était sur cette gamme d'énergie, puis là, on était au-dessus. On avait bien les bons paquets et les bons ordres. On va remettre nos 16 électrons. Et on arrive avec un niveau HOMO qui est bien non liant, perpendiculaire l'un à l'autre. Donc là, en fait, quelque part, on n'a pas la même forme que les orbitales VSEPR, mais la chimie est identique. Et par contre, sur la LIMO, au lieu d'avoir un pi étoile, on avait une sigma étoile ici. D'accord? Alors, si vous avez placé cette sigma étoile au-dessus des pi étoiles, vous retrouvez la pi étoile, et quelque part, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est une antiliante plus fortement carbone. Et c'est là tout l'intérêt. Alors, nous avons bien deux liaisons. D'accord? Donc là, ici, on a deux sigma, deux pi. Donc ça fait bien quatre liaisons en tout, deux doubles liaisons. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par contre, nous avons ici clairement deux doublés. Et là, on a
des orbitales avec les SP à l'extérieur, donc plutôt doublées, mais avec un petit caractère sigma quand même non négligeable. D'accord? Donc c'est limite pour CO2, on imaginerait presque un peu plus que juste une double liaison de chaque côté. D'accord? Et en soi, bon, ce n'est pas déraisonnable. Ce que ça nous indique, c'est surtout, en fait, il y a deux doublés qui sont plus bas en énergie et pas quatre doublés exactement la même énergie. Et ça, d'ailleurs, c'est vrai quand on fait quand on regarde les propriétés d'excitation du CO2, on retrouve ce genre de choses. VSEPR a tendance à mettre les doublés à la même énergie et ça, c'est souvent un peu exagéré. Bien. Terminons par deux petites informations. Un, le diagramme de corrélation ou diagramme de Walsh. On avait vu lors des épisodes précédents que en regardant ce qu'il se passe pour l'interaction au niveau de la HOMO, on a une estimation de la forme que pourrait prendre la molécule. Donc c'est-à-dire que là, je vais prendre les orbitales HOMO et je vais passer en coudée, c'est-à-dire que au lieu d'avoir quelque chose ici de linéaire, je vais imaginer que ça va former un coude, c'est-à-dire que cet oxygène va partir un peu en bas, celui-ci aussi, et on va essayer de former donc plutôt quelque chose de triangulaire. Et ici, pareil. Imaginez qu'est-ce que ça peut donner. Donc ça peut être une question hein, d'examen, c'est-à-dire je vous donne une orbitale ou alors vous avez terminé votre diagramme. Et je vous dis, ben voilà, imaginez ce qui se passe pour l'interaction et donc justifiez la géométrie de votre composé. Ici, si nous rapprochons ces deux orbitales P, mais pas en les rapprochant le long de la ligne, c'est en fermant le triangle, qu'est-ce qui va se passer? Ce lobe blanc va commencer à toucher ce lobe gris. Et là, ici, cette fois-ci, non pas en version sigma étoile, mais en version pi étoile, ce lobe gris va toucher ce lobe blanc va toucher ce lobe gris, nous aurons une interaction pi étoile, sigma étoile. Ça veut dire que cette orbitale-là, si on passe en forme coudée, on crée une interaction antiliante, ça fait monter en énergie. Si l'orbitale devient plus antiliante, elle monte en énergie. Si elle devient plus liante, elle descendrait en énergie. Mais là, clairement, dans les deux cas, dans la forme coudée, les deux HOMO en canonique deviennent plus antiliants. D'où, d'après la règle, entre guillemets, ou en tout cas la tendance de la HOMO, on en déduit que CO2 est bien linéaire. Il est plus stable, la HOMO du CO2 est plus stable sous forme linéaire que coudée. Et petit avant-goût pour les exercices de réactivité de la prochaine série. Voici la HOMO-LUMO calculée de CO2. HOMO, non liante, moins 10 électronvolts, moins 10,7 électronvolts. LUMO, antiliante, très carbone, un poids important sur le carbone, moins 0,1 électronvolts. On va faire réagir le CO2 avec HO- pour former HCO3-. Et donc là, donc le bicarbonate. Qu'est-ce qui va se passer? La HO de HO-, la HOMO, d'accord, ce sont deux doublés, mais à plus 1 électronvolt, donc plus haut en énergie, bien plus haut. D'ailleurs, ces électrons sont plus hauts que la LUMO du CO2. Et la LUMO de HO-, qui est sigma étoile, est à plus 4,9 électronvolts, très haut. Grosso modo, HO- ne veut pas d'électrons en plus, il voudrait bien donner des électrons. Et CO2 a une LUMO basse, il voudrait attirer des électrons, et il ne voudra pas en donner. Donc la LUMO la plus basse en énergie, c'est l'orbitale moléculaire qui est la plus susceptible d'accepter des électrons. Quand CO2 tape dans HO-, c'est-à-dire quand il y a un choc, la densité électronique se retrouve mélangée en fonction de l'orientation du choc, et quelque part,
lors du mélange, ils se disent, bah tiens, si moi je te donne des électrons, on pourrait gagner en énergie. CO2 ici est un bon accepteur, on va dire que c'est, et comme il s'agit même ici d'un acide de Lewis. D'accord? D'où on dit le gaz carbonique. Et c'est un des. C'est bien en fait un acide faible dans l'eau. Alors que la HOMO la plus haute en énergie, ici, ce sont les électrons les plus susceptibles, c'est l'électron le plus susceptible d'être donné. Et donc HO-, c'est la meilleure base de Lewis. Et ici, nous avons donc une base qui rencontre un acide. On peut l'écrire même sous la forme une orbitale qui rencontre une autre orbitale, et on imagine comment, sous quel choc, sous quelle interaction, il pourrait y avoir le partage d'électrons. Et à partir de là, on voit que c'est donc l'oxygène qui va taper sur le carbone, d'où HCO3-. D'accord ? C'est bien le carbone qui est lié aux trois oxygènes. Ça nous permettra, pour la prochaine série, en regardant les homo-lumo, leur énergie et leur recouvrement, de pouvoir réinterpréter et retrouver en fait toute la chimie organique, plus une partie de l'acide base, etc., sans forcément apprendre par cœur. Il y a une logique dans tout ça. Et la logique, c'est les orbitales moléculaires, les couvertures électroniques, comment elles sont. Comment ils vont pouvoir interagir les unes entre elles? Et quel type d'interaction on va pouvoir faire avec les orbitales de fragments? Donc voici l'objectif, quelque part, de ce cours-là. C'était d'améliorer votre compréhension de la structure électronique d'une molécule, mais aussi, potentiellement, comment on pourrait plus tard l'utiliser pour, finalement, comprendre la chimie organique. J'en ai fini pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode où on va pouvoir travailler sur l'hyperconjugaison et le champ de ligand. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à regarder les autres vidéos de la playlist si jamais vous venez juste de débarquer. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre les prochaines vidéos. Merci bien, à la prochaine.